Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Bonjour, aujourd'hui on est le 9 avril. Je ne vais pas trop parler parce que je vous propose de faire une méditation guidée dans laquelle je vous donnerai beaucoup d'informations. Et maintenant, depuis quelques séances, on fait d'abord la méditation, ensuite on fait une méditation marché, et après on se pose et on échange sur la méditation. On s'est aperçu que c'était mieux parce que après avoir médité, on a l'esprit plus clair et on peut avoir des échanges plus fructueux. Voilà. Alors, nous allons donc, nous poursuivons cette année Anapanasati, la méditation de la pleine conscience de la respiration en 16 étapes. Normalement, vous connaissez les 16 étapes. Si vous les avez oubliées, etc., rappelez-moi que je vous envoie à nouveau le petit tableau où il y a les 16 étapes. Je vous rappelle que ces 16 étapes, elles se décomposent en 4 tétrades qui correspondent aux 4 satipatthana, c'est-à-dire la contemplation du corps, la contemplation des sensations ou ressentis, la contemplation de l'esprit et la contemplation de la vraie nature des phénomènes, je traduis comme ça, Dhamma en pali. Donc ces 4 tétrades sont très importantes parce que à L4, elles balayent la totalité de la réalité en fait, la réalité du monde spirituel et même physique, parce qu'on commence par le corps. Donc on va rentrer dans cette méditation, je vais vous guider à cette méditation. J'enchaînerai les tétrades sans vous le dire, comme je le faisais au début, parce que c'est un peu... Mais si vous vous souvenez, vous allez voir qu'on va passer d'une étape à l'autre, d'une manière tout à fait naturelle. Les étapes s'enchaînent naturellement les unes les autres. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'essaierai de m'arrêter un petit peu plus sur la contemplation de l'esprit, qui est un peu mystérieux, assez profond, qui peut être source de malentendus et d'illusions. Donc c'est pour ça que c'est une tétrade où il faut faire attention. Et puis j'essaierai quand même, sans vous infliger une méditation trop longue, qu'on va quand même essayer de balayer les 16 étapes. Si vous le voulez bien, d'accord. Donc, vous prenez la posture qui vous convient le mieux. Moi, grâce au Covid et grâce à ma lombalgie, j'ai réussi à méditer assis sur une chaise pendant 3 semaines. J'ai découvert que c'était possible. Donc, le plus important, c'est d'être stable. Le plus important, c'est, si possible, d'avoir le dos droit, parce que je me suis aperçu que c'est assez utile, et d'ailleurs, quand on n'a pas le dos droit, c'est plus fatigant en fait, je me suis aperçu. Alors que quand on a le dos droit, on peut tenir plus longtemps. Mais chacun a un corps différent et chacun a des besoins différents, donc il faut adapter à la réalité de votre propre corps. Alors vous savez que les premières étapes qui ont l'air très simples sont les plus importantes. Parce que si vous n'entrez pas dans les premières étapes, vous ne pourrez pas ensuite approfondir les autres. Alors on va fixer son attention à l'extrémité de notre nez. Et on va fixer notre attention à ce point de rencontre entre l'air qui rentre et qui sort et notre corps. Voilà, est-ce que vous sentez l'air qui rentre par vos narines, qui sort par vos narines? Votre bouche est fermée, vous respirez par le nez. Vous prenez conscience de ce point. Vous essayez d'être attentif à tout le mouvement de la respiration, le début de l'inspiration, le prolongement de l'inspiration, la fin de l'inspiration. Il y a un petit moment de suspens et il y a le début de l'expiration, le milieu de l'expiration, la fin de l'expiration. À nouveau un moment de suspens et ça recommence.
On essaie d'être attentif à ces différentes parties de la respiration quelques instants. Vous voyez déjà si vous êtes attentif. Déjà, vous commencez à ressentir une certaine sérénité. C'est le début de notre méditation, un certain calme qui s'installe. Alors, il y a peut-être des pensées qui surgissent. C'est normal. Surtout, n'essayez pas de lutter contre ces pensées. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Et vous pouvez utiliser cette méthode qui consiste à penser intérieurement sur l'inspiration. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire sur l'expiration. Comme ça, votre esprit et votre corps sont unifiés. Vous pouvez ensuite simplement penser j'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire. Et puis après, quand votre souffle sera plus bref, plus court, vous pourrez simplement penser inspire, expire. Et ainsi, vous occupez aussi votre esprit. Il évite de vagabonder. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Si vous avez toujours des pensées parasites, et une autre méthode dont je ne vous ai pas encore parlé, qui vient surtout de la tradition birmane de la forêt, s'appelle la notation. C'est juste de noter, si vous avez des pensées, vous notez simplement pensée, pensée, et vous laissez passer les pensées. Si vous entendez un bruit et que vous êtes dérangé, vous notez porte ou bruit. Ça doit toujours être un mot, simplement, très simple. Ça vous permet d'objectiver, de ne pas vous identifier avec la pensée ou la perception. Donc, si vous avez des pensées qui arrivent, vous les notez, pensez, et vous les laissez passer. C'est une méthode très efficace. Et déjà maintenant, normalement, votre respiration a dû s'apaiser un petit peu. Normalement, tout à l'heure, vous aviez des respirations plutôt longues et maintenant, vous avez une respiration plutôt courte. Vous voyez, le passage de la respiration longue à la respiration courte correspond à votre attention. On est en train de rentrer vraiment dans la méditation. Maintenant que notre respiration est plus fine, plus courte, on va pouvoir faire l'expérience de tout le corps. On va balayer notre corps de la tête aux pieds, tout doucement. Alors moi, je vous dis des mots, mais vous, vous devez vraiment faire l'expérience de ces parties du corps. Il ne s'agit pas que vous disiez le crâne, le nez, la langue. Il faut vraiment que vous fassiez l'expérience. C'est très important. Est-ce que vous sentez votre crâne, peut-être votre cerveau, peut-être vos yeux? Essayez de faire cette expérience. Vous sentez certainement vos narines, puisqu'il y a l'air qui rentre et qui sort. Vous avez conscience de vos dents, de votre langue, de votre gorge. Faites l'expérience complète de votre corps. Vous faites l'expérience de votre corps en pleine conscience. Sentez votre nuque, vos épaules, l'omoplate, la colonne vertébrale,
les reins, le bassin, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, tout ça, vous les sentez profondément, vous les vivez de l'intérieur, vous les expérimentez. Si vous êtes à fond dans la contemplation du corps, vous aurez peu de pensées parasites, parce que votre esprit est occupé à vivre cette expérience du corps. Vous pouvez même sentir ce qui se passe à l'intérieur du corps, les intestins, le foie, l'estomac, les poumons, le cœur. Est-ce que vous pouvez entendre votre cœur qui bat? Vous pouvez faire l'expérience de l'air qui rentre dans vos poumons, de l'oxygène qui est transmis à travers le cœur dans tout votre corps jusqu'à l'extrémité de vos pieds, et du dioxygène qui est expulsé. Et vous voyez que la respiration, c'est magnifique. La respiration, c'est la vie. La respiration, c'est un processus de guérison, en fait. À chaque inspiration, vous êtes renouvelé. Chaque inspiration, c'est la vie qui rentre en vous. Si vous observez la respiration, vous pouvez vous émerveiller. Parce que c'est pas vous qui respirez, mais ça respire. La respiration, c'est un peu comme une mère qui prend soin de son enfant. La respiration prend soin de vous. Ce n'est pas vous qui décidez de respirer. Vous n'êtes pas propriétaire de votre respiration. C'est un processus sans ego, sans moi. Que vous soyez éveillé, que vous dormiez, la respiration se produit. Elle ne vous demande pas votre avis. Et on peut s'émerveiller de la vie, on peut s'émerveiller de cette sensation, simplement le fait de vivre, le fait d'être là, d'être présent. Ça peut produire une joie très simple, très pure, la joie d'exister, la joie d'être présent, la joie d'être ensemble, réunis ici, de partager la méditation. La joie d'avoir eu cette naissance humaine dans ces univers infinis, d'avoir rencontré le Bouddha, le Dhamma, le Sangha. Il y a quelque chose de merveilleux. Et on cultive cette joie parce que nous en avons besoin et parce que le monde a besoin de joie, de paix. Nous sommes un petit peu comme des panneaux solaires. Nous emmagasinons l'énergie lumineuse du Dhamma et ainsi nous pouvons rayonner, diffuser autour de nous la bienveillance, la compassion, la joie sympathique et l'équanimité. Metta, Karuna, Mudita, Upekka. Et maintenant, dans cet état de paix, de tranquillité, notre esprit est comme un lac de montagne qui reflète les sommets enneigés, le ciel, les nuages. On peut observer nos sensations, la Vedana. On peut observer nos ressentis. C'est très important. Je vous invite à être vraiment attentif à cette étape, à la cultiver, afin de pouvoir être attentif dans la vie quotidienne aussi à cela.
Vous avez des ressentis agréables, des ressentis désagréables, des ressentis qui sont neutres, des ressentis corporels, spirituels. Observez ce qui se passe quand vous avez un ressenti. Quand vous avez un ressenti agréable, vous avez envie que ça continue, vous avez envie de vous accrocher à cela, de le maintenir, de le posséder, vous voulez que ça dure. Et c'est comme ça que paradoxalement vous allez produire de la souffrance. Et quand vous avez un ressenti désagréable, alors vous avez le désir de vous en débarrasser, de le faire disparaître. Et aussi ça produit de la souffrance. Alors on observe tous ces ressentis qui sont tout à fait naturels, mais on essaie simplement de les laisser passer, sans s'accrocher, sans résister, sans accepter et sans repousser. Et ces ressentis en général sont liés à des perceptions et à des volitions. Par exemple, j'ai un ressenti spirituel désagréable. Je m'aperçois que j'ai la perception que je n'arrive pas à méditer. Et si j'observe encore plus, je m'aperçois que j'ai la volonté de bien méditer. J'ai la volonté de réussir ma méditation, d'obtenir du succès, d'obtenir quelque chose. Du bonheur. Je m'aperçois qu'il y a de l'avidité en moi. Et c'est cette volonté qui produit cette perception, qui produit ce ressenti. Donc si vous pouvez observer tout le processus, comment naissent vos ressentis, vos perceptions, vous pouvez prendre du recul et vous pouvez voir comment la souffrance apparaît. Comment vous pouvez la laisser passer. Et en observant vos activités mentales avec équanimité, sans vous engager, avec désintéressement, comme un médecin qui ausculte un patient, comme un savant qui regarde dans son microscope, vous ne vous identifiez pas. Vous observez. Et dans cette observation même, il y a de la guérison, il y a de la joie. Et n'oublions pas de revenir à la respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Maintenant, votre esprit commence à être bien concentré et vos activités mentales s'apaisent. Alors, on va faire un pas de plus. On va pénétrer dans cette fameuse tétrade de l'esprit, contemplation de l'esprit. Citta Patisamvedi. On a observé notre activité mentale, mais qui a observé l'activité mentale? La conscience, l'esprit. Donc c'est comme si on passait de la perception à celui qui perçoit. On passe du sujet à l'objet. Non, pardon, on passe de l'objet au sujet. On se désidentifie avec ses pensées, ses désirs, ses regrets.
Il y a cet esprit qui est celui qui voit, celui qui sait, celui qui fait l'expérience, comme un témoin, comme un miroir. Vous savez, dans un miroir, les objets passent, mais le miroir ne retient pas les images. Que ce soit une fleur ou une araignée, ça ne fait aucune différence pour le miroir. Maintenant, vous êtes ce miroir, vous êtes cet esprit. Et d'avoir pris cette distance par rapport à votre corps, par rapport à vos pensées, procure une sensation de joie, de liberté déjà. Vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ces activités mentales. Pour l'instant, on aurait envie de dire « Je suis cette conscience pure qui observe tout cela ». Qui provoque beaucoup de joie, un esprit clair, un esprit lumineux, transparent, un esprit qui se concentre encore plus. Et parvenu à ce stade, on pourrait plonger dans le samadhi, on pourrait plonger dans l'absorption mentale, l'expérience d'une quiétude complète, d'un silence complet. C'est merveilleux ce silence, ce calme, cette beauté, cette pureté. Oui, mais voilà, le Bouddha nous demande de continuer, de ne pas nous arrêter là. Il nous demande de libérer l'esprit. Parce qu'il y a un piège qui se cache ici. Croire que l'esprit serait permanent, croire que l'esprit serait originel, inconditionné. C'est le piège dans lequel toutes les religions sont tombées, sauf le Bouddha. De croire que cet esprit lumineux, c'est notre âme éternelle, notre soi. Mais en fait, si vous observez bien, vous verrez qu'elle n'est pas différente des autres agrégats, comme le corps, comme les sensations, comme les perceptions, comme les volitions. L'esprit, lui aussi, apparaît et disparaît. L'esprit, lui aussi, est conditionné. Et cette étape est merveilleuse parce que nous allons libérer l'esprit du moi. De même que la respiration n'est pas notre propriété, de même notre esprit, comme tous les autres agrégats, apparaît et disparaît selon les lois du Dhamma. Où nous ne sommes pas des propriétaires. Nous libérons l'esprit du fardeau de l'ego. Nous allégeons complètement. C'est encore plus beau et plus merveilleux. Il y a une liberté extraordinaire. Nous sommes libres de nous-mêmes. Il y a un espace infini qui s'ouvre. Nous ne sommes plus attachés. Nous sommes dans le contentement. Nous n'attendons plus rien. Parce que tout est là, ici et maintenant. Et ainsi, nous pouvons entrer dans la dernière tétrade et contempler les phénomènes tels qu'ils sont,
Yata Bhutam. Nous pouvons passer en revue tout notre chemin, contemplation du corps, la contemplation des sensations, la contemplation de l'esprit. Et nous pouvons voir maintenant avec clarté que tout est impermanent. Sabbe Sankhara Anicchati. Tout est impermanent, tout apparaît, se maintient un instant et disparaît. Notre esprit aussi est impermanent. Il n'y a aucune sécurité définitive dans le samsara. Vous pouvez trouver un bonheur, mais il ne sera pas durable. Il y a toujours quelque chose d'insatisfaisant. Parce que tout est impermanent. Vous ne pouvez pas vous accrocher aux choses, aux personnes. Parce que les choses et les personnes viennent et vont. Elles apparaissent et elles disparaissent. Quand vous avez vu cela, vous pouvez vous détacher. Et quand vous vous êtes détaché complètement, alors vous pouvez apercevoir ce que serait la cessation de la souffrance. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Maintenant, si vous le voulez bien, on peut lâcher prise complètement. Lâcher toute tension, tout désir, toute attente. Comme dans la petite chanson de Thich Nhat Hanh, je suis chez moi, je suis arrivé, il n'y a qu'ici et maintenant.